الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Je suis très heureux de participer pour la quatrième fois à Dawsul Mohammadiyya pour essayer de faire passer un message de sérénité, de sagesse et de raison, notamment à la jeunesse musulmane, que ce soit en Algérie ou à travers le monde. J'ai fait cette conférence en langue française afin justement que la communauté musulmane à travers le monde qui a des difficultés à comprendre l'arabe puisse recevoir un message de fraternité, de clarté, de réflexion sur ce sujet extraordinaire que les compagnons du prophète, qui sont à la fois nos maîtres et nos frères, en tant que guide pour, et modèle excellent pour la communauté musulmane à travers le monde. Nous avons besoin de nous inspirer de leur modèle, toujours vivant et dans nos cœurs. Il ne s'agit pas de les imiter aveuglement, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été des imitateurs aveugles, mais des imitateurs fidèles du prophète excellent, modèle universel de ce que c'est un être humain. Il s'agit de la vie. Les compagnons ont réalisé la vie avec leur nature, avec leur caractère, leur noble caractère. Et nous avons aujourd'hui pour devoir de nous souvenir de ce modèle excellent. Ils ont été eux-mêmes les élèves et les disciples du modèle par excellence, Khatam al-Anbiya rahmatan lil alamin. Cette Zawiya est en train de faire un travail, la Zawiya al-Hibriya al-Qaidiya Sayyidina Cheikh Mohamed Al-Qaid li huwa rahul yom maulana wa sidna, qui est illuminé par l'Anwar Muhammadiyya, fait un travail extraordinaire pour justement redonner de l'espérance et de la foi à cette jeunesse qui en a tant besoin. Nous devons produire, former, forger une élite, mais une élite, cela ne suffit pas à couper des préoccupations du peuple, mais liées aux racines proches du peuple, pieuse, juste, sereine. El Mouminin, El Mouhsinin. Shukran, Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل لمن ما في السماوات
السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب سيدنا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الشرفاء
وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أيها الجمع الطيب الكريم، يجلس إليكم الآن الباحث والمفكر الجزائري فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الشريف، وزير التعليم العالي سابقا وأستاذ بجامعة الجزائر العاصمة، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه الصحابة الوارثون للأسوة النبوية، فليتفضل. شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رحمة للعالمين، سيد الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين حتى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا المناسبة المباركة أشكر سيدنا ومولانا الشيخ محمد عبد اللطيف بالقايد على هذا الدعوة الكريمة بمناسبة هذا الشهر المبارك، شهر رمضان للدروس المحمدية. Aujourd'hui nous allons essayer de vous parler des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم، الصحابة en tant qu'héritier et modèle par excellence de ce que c'est être musulman. Ils avaient pour maître l'insan al-kamil, l'homme total universel. Ils avaient pour guidance l'haq al-mubin, le Coran. Ils avaient pour nature fitra noble. Ils avaient donc pour maître l'insan al-kamil, ils avaient pour guidance le Coran, et ils avaient une nature noble. Ils étaient au début quelques dizaines, puis muhajirin quelques centaines, puis combattants fi sabilillah quelques milliers, puis plus de 10 000 qui ont libéré la Mecque, et enfin plus de 100 000 fi hajjat al-wada' à Arafah. Ce sont les compagnons du prophète. Ce sont ceux qui ont vécu la présence de Khatm al-Anbiya, le sceau des prophètes, et la révélation qui se manifestait en leur présence. Ils ont été transformés par la révélation et ils ont transformé le monde en diffusant ce message qui transforme l'âme et le caractère de chaque être humain. Ses compagnons répondaient à 3 exigences. Première exigence, c'est taqwa, la piété. Le Coran exige la piété. Il exige en même temps la justice. Ils étaient pieux et justes. C'est la voie de la rectitude, Sirat al-Mustaqim. Les conditions pour être musulman et plus encore pour être une élite, Nukhba. Ce sont ces qualités que les Sahaba, compagnons du prophète, incarnent en tant qu'héritiers de l'insan al-Kamil. Les Sahaba sont des êtres humains complets, humanité totale, dont il faut s'inspirer. Dieu, dans le Coran, a exprimé sa satisfaction au regard de ce modèle. Comme a dit Allah Azza wa Jal, فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Dieu était satisfait de ses compagnons.
ils sont l'exemple à suivre pour forger aujourd'hui, pour le monde musulman, une élite dont il a tant besoin, ce monde. Cependant, un double problème se pose lorsqu'on parle de ses compagnons nobles, droits, justes et pieux. Le premier, c'est le fait que l'écart, le fadjoua, est grand entre ce modèle de conduite extraordinaire et celui de certains aujourd'hui dans notre monde musulman. Au lieu de se limiter à louer les vertus de ces grands hommes, on doit se corriger pour essayer de s'approcher de leur niveau remarquable. Deuxièmement, deuxième difficulté, le rigourisme et la vision étroite de courant qui fige ou déforme ce beau modèle des Sahaba monopolisent leur héritage et tentent d'empêcher qu'on en tire les leçons pour notre temps, afin que l'on vive conformément à ce modèle extraordinaire. Justice et piété, ils étaient justes et pieux. Pratiquer l'équité, cela était proche de la piété pour eux. Le comportement des compagnons est une preuve que les êtres humains possèdent la capacité de reconnaître le haqq et de s'élever, de s'humaniser, d'humaniser leur comportement et celui de la société. Les compagnons permirent de mettre fin à la domination des polythéistes, des idolâtres et des despotes qui infantilisent et limitent les humains. Les récits, les histoires sur l'émancipation, sur la base de la race, de la force ou de la richesse, ont été liquidés par ce beau modèle des Sahaba dont l'exemplarité repose sur la piété et la justice. Ils prêchaient la vérité parfaite de l'islam, mais ne prétendaient pas au monopole de la vérité. Ils admettaient le droit à la différence, le droit à la critique, à la liberté, pour faire reculer les injustices. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, incomparable de justice et de piété, disait toujours « Si je me trompe, corrigez-moi ». Il faisait sans cesse son examen de conscience. Dans les décisions, il a défendu le faible, la victime, l'innocent, quel que soit le rang du fautif, conformément à la parole coranique et au modèle prophétique. Le Coran et le prophète ont transformé des hommes simples, pétris de naturel, jil tabi'i, en une élite, modèle excellent de bel agir dans la vie. Ils sont l'élite, ils sont l'exemple, car ils ont su aimer Dieu et le prophète plus que leur propre vie et en conséquence ont pratiqué la justice avec leur prochain comme personne avant eux et comme personne après eux. Ils ont réalisé la communauté médiane, Ummat al-Wasat, comme a dit Allah Azza wa Jal. Ummatan wasata litakunu shuhadaa 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Ils ont pu réaliser cette communauté de justice, cette communauté modèle, cette communauté médiane, parce qu'ils répondaient aux 9 exigences du Coran. Quelles sont ces 9 exigences du Coran? Il y a 9 catégories que Dieu aime. 9 catégories que Dieu aime, nous dit le Coran. Il aime al-muhsinin, les bienfaisants, les bel agissants, les enclins au repentir, ta'ibin, ceux qui se purifient, al-mutatahirin, ceux qui sont justes et équitables, al-mutaqin. Il aime sabirin, les patients. Il aime ceux qui combattent sur son chemin, yuqatilu fi sabilillah.
il aime les muqsitin et les mutawakkilin. Les 9 catégories s'adressent aux compagnons. Ainsi, Dieu a donné le profil des compagnons du prophète. Ils répondent à ces 9 catégories que Dieu aime. Dieu n'a jamais aimé autant des êtres humains que Sahaba, et il le dit dans le Coran par ces 9 catégories. Dans toute l'histoire de l'humanité, ces qualités, ces 9 qualités, sont réunies pour la première fois en la personne des Sahaba, parce qu'ils ont aimé le prophète qui leur a dit « Si vous aimez Dieu, suivez-moi ». Cela signifie que des êtres de nature simples peuvent s'élever et répondre aux exigences que Dieu veut des 9 catégories. Cela signifie que le projet de Dieu, celui de la création humaine, s'est réalisé à sa raison d'être grâce aux compagnons. Le projet de Dieu, de toute la création, de la vie, de l'univers, de l'existence, à sa considération par les compagnons du prophète, ils ont répondu au projet de Dieu. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu est le premier des sahabas du prophète. Il remplit toutes ces conditions. Ce n'est pas par hasard, chers frères, que le premier compagnon est nommé Siddiq, ce qui signifie le sincère, celui qui confirme, la force de décision et le fidèle. C'est tout cela que signifie Siddiq. Nul ne peut être un vrai musulman sans cette qualité de sidq, sincérité, fidélité, confirmation de la vérité, force de la décision. Il était, comme vous le savez, avec le prophète dans la caverne lors de la sortie de la Mecque pour s'exiler à Médine, lorsqu'il vit les violents polythéistes qui le poursuivaient. Il dit au prophète, « Ô Dieu, si l'un d'eux baissait les yeux, il nous verrait. » « Ne crains rien, Abu Bakr, répondit le prophète. Que penses-tu de deux personnes dont Dieu est le troisième qui les protège ?» Le prophète a enseigné que la force de la foi, c'est la confiance. Et c'est l'expression de sidq dans cette confiance. Le prophète a enseigné à ses compagnons que la force de la foi, c'est tawakkul, c'est sidq, c'est la confiance et la sincérité. Et cet événement, vous le savez, est relaté par le Coran, comme le dit Allah Azza wa Jal. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Pieux et juste, les compagnons n'avaient de cesse, dans l'émulation et la saine concurrence, de rechercher le bien, même si le paradis leur était promis, comme leur avait dit le prophète. Ils œuvraient dans la vie pour l'au-delà, par l'accomplissement d'actes de piété et de justice. Un jour, décrivant la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Chaque croyant sera appelé à entrer au paradis par une porte. Quiconque appartient aux gens de la prière sera appelé par la porte de la prière. Quiconque appartient aux gens du jeûne sera appelé par la porte du jeûne. » Quiconque appartient aux gens de Zakat sera appelé par la porte de Zakat. Quiconque appartient aux gens du Hajj sera appelé par la porte du Hajj et du Jihad. Abu Bakr demanda alors au prophète, est-il possible de rentrer en même temps par toutes ces portes? Le prophète répondit, oui, Abu Bakr, et je souhaite et je sais que cela sera ton cas. Se dépasser sans cesse était une pratique des Sahaba, même si le paradis leur était promis. Alors, ceux
qui savent que rien n'est donné d'avance, doivent suivre ce modèle. Puisque leur modèle, le prophète, avait comme caractère le Coran, ils ont pu réussir ses compagnons, notamment les premiers khalifs, à s'approcher du caractère du Coran. Oui, la sunna des compagnons est proche de la sunna du prophète et leur comportement était un comportement proche de celui du Coran. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu avait une qualité exceptionnelle, celle du kishf, du cœur. Le jour où le prophète fit son dernier serment du vendredi, avant qu'il soit malade, il a tenu des propos qui faisaient indirectement allusion à son rappel prochain à Dieu. Aucun compagnon ne comprit l'allusion à son rappel, l'allusion subtile à son rappel à Dieu. Abu Bakr se mit à pleurer. Les autres compagnons lui reprochèrent de pleurer devant le prophète sans raison apparente. Quelque temps après, lorsque le prophète mourut, tous les valeureux compagnons, y compris Omar ibn Khattab radiallahu anhu, se mirent à pleurer, en état de choc. Sauf Abu Bakr Siddiq, qui, malgré qu'il était autant affecté, se maîtrisa, ayant compris avant tout le monde ce qui allait se passer. Ce qui lui a permis de ramener les compagnons à la raison en citant le verset que m'a dit Allah Azza wa Jal. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Omar ibn Khattab, qui a été transformé par l'écoute du Coran, a dit « On dirait que je n'ai jamais entendu auparavant ce verset. » Le Coran transforme, le prophète transforme en être d'élite exemplaire et modèle ceux qui l'écoutent. Après la piété et la justice, la deuxième qualité des sahaba est le sens de l'engagement. Cette dimension de défendre le khayr, le bien pour tous. Les sahaba ont soutenu le prophète et ont propagé son message en assumant leurs responsabilités, en s'engageant. C'est grâce à leur engagement que le Coran et les enseignements de l'islam nous sont parvenus intacts. Par leur fidélité à la voix du prophète, ils ont transmis le Coran et la sunna, l'œuvre qui a débuté sous l'inspiration du prophète, la révélation collectée en mashaf, qui a commencé avec le prophète, a été réalisée par ses compagnons qui l'ont terminée, la propagation du message, et il s'adressait à l'humanité tout entière. C'est grâce à eux, aujourd'hui, que nous existons, d'avoir le privilège d'être musulmans. Et le Coran les a décrits comme قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ils ne changent pas leur engagement. La parole donnée, l'engagement. Qui a incité les nobles arabes du peuple du prophète à accourir pour embrasser sa religion? Ils quittèrent tout ce qu'ils avaient comme gloire pour la voie de l'épreuve et Sirat al-Mustaqim. Et qu'est-ce qui a poussé les faibles du peuple aussi à accourir pour le suivre? Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était sans armes et sans argent. La force du message coranique et le noble caractère du prophète ont transformé des êtres humains en une élite exemplaire, El-Muhsinin. El-Muhsinin,
C'est le terme 5 fois dans le Coran. 5 fois dans le Coran, Dieu dit « J'aime le Mohsinin ». C'est la seule catégorie où Dieu cite 5 fois en s'adressant justement aux compagnons. Et la société du temps des Sahaba n'était pas angélique, paisible, mais confrontée à la difficulté, à l'adversité. La dureté était telle que 3 sur 4 des premiers khalifs, radiyallahu anhum, furent assassinés, morts en martyr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum. Ils savaient que la vie était une dure épreuve. Ils ont donné leur vie pour Dieu et pour le prophète. Ils refusaient, les sahabas, l'agression. Ils refusaient la violence gratuite et les comportements inhumains. L'adversaire pour eux n'était pas un non-humain ou un ennemi pour toujours. Le prophète et ses compagnons recommandaient toujours de ne jamais humilier l'autre, l'adversaire vaincu, le faible, conformément à la parole de Dieu, comme Allah Azza wa Jal. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Un des compagnons du prophète demanda un jour: quels sont les pires des croyants, ceux que nous devons jamais être? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: vous me questionnez sur les pires d'entre les croyants? Les gens présents ont dit: oui, certes, si tu veux, ô envoyé de Dieu. Il a répondu: les pires sont ceux qui s'installent en solitaire, violentent leurs serviteurs et interdisent les secours. Voulez-vous que je vous dise qui sont encore les pires? Les compagnons présents ont dit: oui, certes, envoyé, dis-nous, pour que nous soyons jamais de cela. Il a dit: ce sont ceux qui détestent les gens et qui sont détestés. Puis il a dit: voulez-vous encore que je vous dise qui sont les pires des gens? Ils lui disent, les compagnons: oui, dis-nous, pour que nous soyons jamais de cela. Il a dit: ceux qui n'acceptent ni excuses ni pardon, ceux-là sont les pires. Il leur a enseigné Rahma, la justice et le pardon. Ils étaient des êtres humains exemplaires. Être de justice et de piété, être de l'engagement, et troisièmement enfin, être de l'ijtihad, de la réflexion, de la raison. La piété, la justice et le sens de l'engagement qui animaient les Sahaba étaient nourris par leur esprit de raison. Fitra, naturel, haql, ijtihad, les compagnons du prophète n'étaient pas tous des savants, mais une élite de sagesse, de bon sens, ouverte, qui n'a rien à voir avec ceux qui prétendent imposer leurs lois aux croyants. Ils se préoccupaient du sens sur le plan des normes, du droit. Le fiqh des sahaba découlait d'une morale que le Coran et le prophète leur inspiraient. Non encore codifié, ni dans des livres, ni dans des écoles. Le fiqh et le droit des sahaba étaient un exercice d'ijtihad naturel, imprégné de la sunna sharifa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Leur ijtihad était la voix de leur conscience. Leur conscience, d'amir, et de l'influence de la lumière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur leur cœur. Des musulmans mal informés aujourd'hui projettent sur cette époque une vision erronée, celle où le fiqh serait figé, transmis à travers des canaux étroits. Non, ils furent, ces sahaba, des producteurs d'un fiqh naturel, moral, qui respecte la liberté et qui s'appuie sur le fondement du Coran et de la Sunna. Ils étaient parfois illettrés, mais leur noble caractère, proche du Coran, leur permettait de donner leur opinion en toute liberté et en toute responsabilité. Dans ce sens, Malik ibn Anas disait qu'avec la sunna du prophète, il y a la sunna des compagnons. Dans le hadith de Mu'ad, vous le savez,
Mu'ad al-Sahabi, quand le prophète le chargea de partir annoncer et expliquer le Coran au Yémen, il lui demanda « Selon quoi vas-tu juger ?» Il répondit « Selon le livre de Dieu. » Et il lui demanda « Et si tu ne trouves pas la réponse ?» Il répondit « Selon la tradition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Le messager lui demanda encore « Et si tu ne trouves pas la réponse ?» Mu'ad répondit « Je donne mon opinion après mûre réflexion et pour interpréter, je ne ménage aucun effort. » Alors le prophète le félicita et dit « Alhamdoulilah à celui qui a guidé mon compagnon, le message du messager. » Tu n'as pas créé tout cela en vain, dit le Coran. Le projet de Dieu pour l'humanité s'est réalisé avec Sahaba. Ce n'est pas par hasard que nous disons radiallahu anhum, parce qu'ils ont été agréés en réalisant le projet de Dieu de ce que c'est être humain pieux, être humain juste, être humain engagé, totalement réactivé par la raison raisonnable, l'ijtihad ouvert qui assume les responsabilités. Ils ont été transformés et responsabilisés par la révélation, par la sunna et par leur fitra naturelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Bukhari et Muslim, « Ne dites pas du mal de mes compagnons, car je jure par Dieu que même si l'un d'entre vous donne en nos membres l'équivalent de la montagne de Uhud, il n'égalerait pas les mérites d'un seul de mes compagnons. » Le prophète a dit aussi de suivre sa sunna et la sunna de ses compagnons. Ils ont réalisé ce que Dieu dit à leur sujet, comme a dit Allah Azza wa Jail. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Il nous a appris les Sahaba sur la base de ce verset qu'il faut ordonner le bien d'abord pour soi-même et interdire le mal d'abord pour soi-même. C'est cela l'exemple des Sahaba. Ils nous ont appris qu'il est possible de s'élever, qu'il est possible de répondre aux 9 exigences de ceux que Dieu aime. Il reste à faire émerger pour chaque génération une élite qui poursuive le chemin, car pour être la meilleure communauté, comme l'ont été les Sahaba, il y a des conditions. Rien n'est donné d'avance. Il y a un grand défi aujourd'hui pour les peuples musulmans, celui de reconstruire la voie de la sunna des Sahaba, la voie médiane qui s'impose à nous pour répondre aux défis de notre temps. Ils ont été une élite pieuse, juste, engagée et réfléchie. S'ils ont été les compagnons de l'insan al-kamil, l'homme total et universel, c'est qu'ils ont été des êtres universels capables de totalité et d'universalité. Ils sont pour nous l'exemple à suivre afin que nous soyons des êtres pieux et justes, des êtres engagés, responsables et des êtres réfléchis. Ils sont ce que l'humanité attend aujourd'hui qu'elle est désorientée, aujourd'hui que ce modèle ou n'est pas connu, ou est incompris. Nous avons pour devoir de le faire revivre par nos comportements, nos agissements. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons suivre leur sunna. Ils ont été ceux qui ont suivi la sunna du prophète. Et il y a encore aujourd'hui des compagnons awliya ou salihin qui suivent leur sunna fil batin wal dahir, tabi'in, al-muhsinin, awliya salihin, ceux vivant encore parmi nous, comme notre maître Cheikh Sidna Abdel Latif, les nouveaux compagnons du prophète, ses frères, héritiers de sa baraka, l'Anwar al-Muhammadiyya, qui guide les pieux, les justes, sur la voie de la rectitude. Car il disait, sallallahu alayhi wa sallam, « Entum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam yatu ba'd. » Vous êtes mes compagnons, et nos frères sont ceux qui ne sont pas encore venus. Vous êtes ceux qui pouvait être frère, fier de cet qualificatif, frère du prophète,
frères et des compagnons qui essayaient de donner l'exemple de l'homme universel total, humain, pieux, juste, responsable, fondé sur une révélation qui commence par la louange, alhamdoulilah, et qui termine par Nas, l'humanité. Nous sommes et nous devons être la communauté médiane et des compagnons, que si nous répondons à cet appel des sahaba, que nous devons faire comme le prophète, si on nous donne le soleil à la main droite et la lune à la main gauche, qu'on n'échangera pas la voix des sahaba. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي أهدانا اللهم زدني علما علمني بما ينفعني وأنفعني بما علمتني اللهم اجعل النور قلوب صدرنا واجعلنا إن شاء الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والصديقين والأولياء والصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي Thank you.